Salut à tous, c'est Matenger aujourd'hui pour une vidéo sur FIFA 16. Des personnes voulaient que je fasse des vidéos sur FIFA, donc pourquoi pas. Donc je vais vérifier. Donc déjà, je voulais faire une saison, mais soit il n'y a personne. Regardez, zéro match en ligne, zéro ami en ligne, ok. Bref, c'est il n'y a personne. Et j'ai fait une recherche, j'ai trouvé quelqu'un et ça a frisé dans l'arène. Donc ça sert à rien d'aller plus loin au niveau de ça. Par contre, est-ce qu'il y a toujours les matchs... Ça, c'est des vidéos, F. Ne pas rater, équipe de la semaine, célébration, tout frais. Est-ce qu'il y a toujours les matchs... hebdomadaire ou... Ah, il n'y a plus ce genre de truc. Mais ça nul. Jouer match suivant. C'est-à-dire... Ah oui, ah ouais, ça peut être sympa, ça, par contre. Jouer la journée... la journée du LOSC. Ça pourrait être sympa, mais moi je croyais qu'on pouvait jouer, qu'il y avait encore les, je sais pas comment ça s'appelait, dans le 15, mais c'était des défis en fait, de faire un match et de le gagner, ou commencer un match en deuxième mi-temps, puis on perdait 3-0 et de le gagner, etc, des trucs du genre, mais là je vois pas, je trouve pas. Découvrir les dernières joueuses désignées, ok. À ne pas rater un mélange de 12 éléments aux F. Équipe de la semaine aux F, célébration. Ouais, non, je sais pas, ça existe plus. Bon, bah pourquoi pas faire jouer match suivant. Donc le match vraiment du LOSC qui va arriver, c'est-à-dire mercredi 27. Ça peut être sympa, j'ai jamais fait, donc pourquoi pas. Alors extérieur, ok. On peut faire de la gestion ou pas? Ouais, on peut faire de la gestion, mais pourquoi pas faire sans en gestion finalement? Ouais. En ce moment, je joue en 4-4 de losange. Et j'aime beaucoup cette composition, mais bon, allez, pourquoi pas commencer comme ça? Donc, une 4 étoiles contre une 3 étoiles et demie. Ok. Ok. Bon, bah allez, c'est parti. On va faire ça pour cette vidéo. Je voulais faire le truc que je vous ai dit là, mais finalement ça a pas. Bah, il n'y a plus ça. Donc pourquoi pas faire sur ça, hein. Y a pas de... Bonjour à tous, merci Bonjour. À vous de nous accueillir. C'est un match de Ligue 1 qui nous attend et j'aurai le plaisir de vous le commenter avec Franck Sauzet. Ok, bon, bah, c'est parti, go! Donc je laisse les commentateurs parce que au moins quand je parle pas il y aura quand même un petit fond. Bah, c'est la composition du LOSC. C'est un système assez conventionnel qui a choisi l'entraîneur avec ce 4-3-3. Ok. Alors je vais regarder un truc. Ah ouais mais non. Je peux pas regarder là, c'est foutu. Je voulais voir la difficulté parce que je sais même pas en quelle difficulté c'est. J'espère que c'est en pro minimum. Oh, en danger avec ce centre. C'est dégagé. Oh, okay. Dommage, c'était une belle occasion. Le drapeau qui s'est levé. Ok, bon, voilà. Franchement, c'est vraiment une vidéo... C'est de l'impro totale. Un beau duel en perspective. J'ai vu qu'on me demandait de faire une vidéo sur FIFA. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. C'est vrai qu'en fait, FIFA, c'est le jeu où... auquel je joue le plus. Mais le problème c'est que je joue le plus mais je peux pas faire autant de vidéos parce que je suis pas tout seul. Oh, quelle occasion ! Arrêt du gardien. Je serais tout seul dans ma chambre, je pourrais. Mais j'ai la récupération au milieu de terrain. Je peux pas faire des vidéos tout le temps. Tous les jours. Traoré. Vincent Manceau. Avec Mavouba. Non, ça va pas passer. Ok. Alors, touche longue, touche courte. Gilles Senu. Bon, franchement, je pense que ça va pas intéresser beaucoup de monde.
Los Congés, franchement, ils sont voilà. à la récupération. La plupart du temps, les gens sont intéressés par le fut. Et magnifique, il a bien franchement, fermé mode qui m'intéresse pas du tout. Amalfitano. Franchement, jouer un jeu s'avance vers la surface. Où il faut des cartes pour. Oh, c'est bien parti. Et ben voilà, oh, le but. Eder, bien évidemment. Franchement, le mode fut ne m'intéresse pas du tout. Jouer, déjà trouver des joueurs avec des cartes. Bon, après, voilà, ça, ça peut passer. Mais ensuite, trouver des cartes pour guérir une blessure. Trouver une carte pour augmenter le contrat d'un joueur. Peut-être mieux ce qui s'est passé sous un autre angle. Possibilité aussi de rencontrer les mêmes joueurs en face. Bref, je trouve ça bizarre. Ça m'intéresse pas du tout, quoi. Et c'est en plus, pas pouvoir mettre la composition comme on veut dès le départ. Voilà. Franchement. Franchement, ça m'intéresse pas du tout. Moi, c'est la carrière manager qui m'intéresse le plus. Et c'est tout. J'espère que dans FIFA 17, la carrière manager sera un peu plus peaufinée parce que elle est bien. Elle est beaucoup mieux avec les entraînements, etc. Ballon arrêté. Mais il y a des manques de mise à jour de mise à jour quoi. Par exemple les photos je joue avec le LOSC, les photos sont même pas mises à jour, il y a encore Caballos, Ombraniac, etc. sur les photos. Faudrait peut-être mettre à jour tout ça, leur banque de données, parce que sinon c'est très incohérent. Ensuite les infos aussi, les infos qu'ils nous donnent pour apprécier ce but. C'est toujours les mêmes phrases, etc. Faudrait changer ça. Les commentateurs, enfin, faudrait qu'ils les changent. Apparemment, c'est les présentateurs de Bein qui vont être dans FIFA 17. Est-ce que c'est une vraie information ou pas? Bon, ça reste des rumeurs. Mais ça pourrait être super sympa, par contre. Faut qu'ils changent les commentaires de A jusqu'à Z. Faut pas qu'ils remettent les mêmes, quoi. Parce que les commentaires des présentateurs, franchement, il y a des phrases, des mots. Obadi. On ne les dit plus aujourd'hui, quoi. Amalfitano. Oula, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, là, je crois que je suis en... Peut-être le but. Ouais, la balle est contrée. Je sais pas, mais je crois que je suis en semi-pro. Eric parce Capel. Que je joue en carrière pro un petit peu en ce moment. Et j'ai mis semi-pro parce que, j'ai jamais joué en pro vraiment. Donc, je me suis mis en semi-pro pour la première saison. Et... Romain Thomas. En pro, c'est pas si facile que ça. Par contre, en match normal avec les joueurs, on utilise tous les joueurs, c'est très 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 simple. Il se nu. Marco Bacha. Ouais. FIFA 17, faut vraiment qu'ils font des mises à jour sur les bugs qu'il y a déjà en ce moment. Qui... Ouais, non, trop facile. Des mises à jour sur les bugs qu'il y a déjà, parce que tout le monde demande des rajouts. Du défenseur après ce but. C'est vrai, mais il faudrait déjà qu'ils corrigent les bugs, etc. Aux avant-postes pour faire la différence. Plus il y aura des nouveautés, plus il y aura de bugs. Les bugs précédents vont être rectifiés, revenir. Comme les mains par exemple. Dès qu'on a FIFA, les mains sont désactivées. Donc, Romain Thomas. Donc toujours ça, c'est pas peaufiné. Donc alors que ça fait quand même. Je pense que depuis FIFA 10 qu'il y a ce problème de mains. FIFA 10, 11, 12, je sais plus, mais franchement, devoir désactiver une règle. Du jeu cette fois-ci avec une autre caméra. Des règles du football, faut le faire. Ça fait 4 buts à 0 et l'addition qui commence à être salée. Check it, die. Après, c'est vrai que des nouveautés, j'en veux aussi. J'en veux aussi, c'est-à-dire. Il y a tellement de nouveautés que je voudrais dans un carrière manager. À toi, à moi, ça circule bien. Mais je sais qu'il n'y aura pas encore. Parce que c'est plus pour un jeu de gestion, Amalfitano. Un jeu de management
comment dire, simulation quoi. Et est-ce que FIFA va vraiment partir dans la simulation? Ça, j'y crois pas du tout quoi. La frappe. Ouais, la bonne prise de balle là du gardien. Bon, franchement, très simple. En semi-pro, je crois que c'est en semi-pro, hein. je suis presque sûr. J'aurais dû regarder la difficulté avant, bon, c'est pas grave. Et maintenant, Mavuba. Franchement, c'est pas un match. Réel. Fin de la première période. Bon, si on fait ça demain, bah, on est mardi, hein, le 26. Mais le vrai match, c'est demain 27. Et vous allez avoir cette vidéo le 27, à 17h30, une heure avant le vrai match. Donc c'est sympa. Et oh, ouais, donc si on fait 4-0 demain, ça serait excellent. Bah aujourd'hui, dans une heure. Ça serait génial. Et oui, le Lask a perdu en Coupe de la Ligue, malheureusement. Comme la première. Un beau duel en perspective. On a fait un super bon match, mais... Mais je sais pas, Enyama a fait vraiment une grosse connerie à la fin. Et le gardien qui va sortir. Oh, c'est parti. Pas de souci pour le gardien. Il donne un petit peu d'air à son équipe. Que je tente des frappes de loin, etc. Parce que bon, c'est tellement simple qu'on peut tenter plein de choses. Obadi. Vous voyez passer. Ouais, je veux faire une roulette là, mais j'arrive pas. Amalfitano. Pourtant, avec Buffa, on peut. Normalement. À quelle première période il vient de nous faire, hein. Vraiment, c'est lui. Ouais, il parle DDR. Je sais pas combien. Il a signé un doublé qui a eu son importance dans cette première période. L'équipe a le match en main pour pas le moment. Et ouais, donc ouais, l'année prochaine, on va perdre Eder. Sauf si. Bah, apparemment, Eder voudrait revenir pour un prêt d'un an. Pourquoi pas, moi je dis, hein, au lieu de l'acheter 6-7 millions, autant le prendre en prêt un an. Ça reste 6-7 millions de. Oh, le gardien, merde. Le dernier obstacle. Ouais, c'est bon. Ça reste 6-7 millions de garder dans les poches. Après, le problème, c'est que s'il met 20, une quinzaine de buts, ou 20, ou une vingtaine, c'est que son prix va augmenter de ouf. Donc. C'est faut voir avec tout ça en fait. Le drapeau s'est levé, il a déclenché son appel de balle un petit peu tôt. Regardez, comme là il y a eu un hors-jeu. Le hors-jeu, je l'ai laissé passer, j'ai laissé passer la balle, donc je l'ai pas pris. Hop, je voulais passer à lui, mais je voulais pas la prendre. Je voulais que, ben, je crois que c'est Buffa à la gauche là-bas. Je voulais que lui le prenne. Mais il y a quand même sifflé hors-jeu. Ça, c'est un gros problème. Qui devrait pas être dans FIFA. Voilà, ce genre de bug, ces petits bugs qui gâchent le match à chaque fois. Mais moi je l'ai souvent, je l'ai dans tous les matchs et d'ailleurs dans celui-là aussi je l'ai eu quoi. Donc franchement il y a des soucis comme ça. Et derrière, non. Ouais, il a fait la roulette, mais trop tard, malheureusement. T'as commencé trop simple. Beaucoup trop simple. Ouais, je les tire. Le pro là, est bien. Le gardien qui a eu le dernier mot. Par contre, dès qu'on augmente, je sais plus, c'est champion ou légende au-dessus, je sais pas du tout. Récupération. Franchement, c'est presque pour moi et pour mon frère aussi, Jet Rose. C'est bah, la difficulté augmente EA beaucoup Sports trop d'un coup. Un match de Ligue 1 avec donc moi, bah, je joue avec Lille affrontera Lorient à l'extérieur. Les numéros, en fait, on peut jauger la difficulté. Avec Mavuba dans les options. On prend sa chance. Et le dernier mot pour le gardien. C'est un corner. Le ballon qui semble rebondir juste devant la ligne. Et c'est ce que pense l'arbitre en tout cas. La frappe. Oh là là, même ça, ça passe. C'est n'importe quoi. J'ai débloqué aussi des célébrations. Sympa après. Alors on voit cette frappe toute en finesse, au ralenti. C'est juste des célébrations. Ah ouais. Moi ça me laisse baba, Hervé. Tout y est, la vista, la lucidité, le sang-froid, l'application surtout. Le geste parfait pour conclure une belle action. Oh, le score qui est voilà, à la de phrase 5 à trop longue. Ça va être dur, la ça phrase va être dur de ça s'en reste baba. Franchement, stop quoi.
Amalfitano. Franchement, à quand des phrases construites, des phrases qui ne sont pas coupées, on entend que c'est coupé, c'est bizarre. Des phrases beaucoup trop scriptées. Parfois, il est en train de faire une phrase, on tire, hop, il change, il fait une autre phrase. Alors que non, en vrai, il continue sa phrase et il dit but. Ou alors il la reprend après. Non, là, franchement. Je suis désolé, mais je pense qu'il y a quand même mieux comme codage pour des présentations. Moi, je dis, pourquoi il... Ouais, c'est pas trop possible, ça, mais... On peut presque dire que c'est un match après, sur un an, c'est possible, mais... Faut vraiment enregistrer tous les matchs et puis ensuite faire piocher des vrais matchs en fait, piocher les sons des présentateurs. Attention, il n'y a plus que le gardien sur sa route. Mais voilà, c'est un beaucoup trop gros boulot pour EA, quoi. Je pense que ça pourrait être sympa parce que déjà, franchement, le jeu d'acteur des présentateurs, c'est pas des acteurs, mais il joue quand même. Vraiment un joli triplé en effet. Hein. Qui sait, il ne va peut-être pas s'arrêter. Il joue le présentateur finalement pour faire ce genre de truc. On l'a vu dans les vidéos, de toute façon, dans les vidéos making of. Oh, attention, ça pourrait être dangereux. Franchement, c'est pas super. On dirait qu'ils sont en train de lire une feuille en fait. Allez go, ça va être bientôt fini. Bon finalement j'ai pris cette vidéo pour parler un peu de FIFA, des bugs, des mauvaises choses, les nouveautés que je voudrais. La nouveauté en carrière manager, c'est surtout pour le manager. En fait je voudrais que le manager a plus de choses au niveau de son équipe. Parce que c'est sûr, le manager a un salaire, ouais c'est cool. Mais il en fait rien de son salaire. Ce serait bien le retour des entraînements, mais des vrais entraînements, c'est-à-dire qu'on peut entraîner toute l'équipe, quoi. C'est logique, c'est pas que 5 joueurs qu'on entraîne en une semaine. En vrai, c'est toute l'équipe. Pouvoir augmenter son... Peut-être le but. Arrêt du gardien. La place dans le stade, tout plein de trucs. De toute façon, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos. Vous savez ce que je voudrais réellement dans FIFA, mais bon. Je pense que c'est plus dans un jeu comme Football Manager que dans FIFA, j'y crois pas du tout. En tout cas, pas pour l'instant. Malfitano. Et là, voilà la frappe. Pour l'instant, FIFA vise plus sur leur fut que sur le réalisme. Parce que fut, c'est pas réaliste du tout. Quoi. Donc. Bukamoto. Voilà. Allez, c'est fait, le match se terminé. C'est le LOSC qui s'impose. Donc, si le LOSC. Si le LOSC fait un score. Vous semblez maîtriser le niveau semi-pro. Ah ouais, d'accord, j'étais bien en semi-pro. Pour un défi un peu plus relevé, nous vous suggérons de manière de passer au niveau pro. Pourquoi j'ai dit de manière, n'importe quoi. Oui, vas-y, passe-moi en semi-pro, en pro. Donc 7-0, si on fait ça 7-0 tout à l'heure, ça serait parfait. Regardez, Angers 0 tir, tir cadré 0, LOSC 17 tir. Tir cadré 14. La possession n'est pas super, mais franchement, trop facile en semi-pro. S'il y a des gens qui jouent en semi-pro, dites-le moi pour savoir parce que c'est trop facile, quoi. Après, peut-être il y en a qui galèrent en semi-pro. Moi, je préfère le pro et je galère un petit peu, mais sans plus, quoi. Ça va, quoi. Mais il y en a qui arriveront légende. Oh my god, comment ils font, quoi. Moi je le trouve trop difficile. Meilleur buteur. Et ouais. Sofiane Boufal. Par rapport à quoi en fait? Parce que Sofiane Boufal, meilleur buteur du LOSC. Je pense que c'est ça. Mais pas de Ligue 1. C'est pas possible.
Joueur en forme, Messi et Suarez, ouais, logique. Bref, bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est une vidéo. Une vidéo vraiment improvisée. Allez, je vous dis à plus. C'était Matenger.